actualité ici aux États-Unis depuis la Maison Blanche. Jodi a, président Joe Biden annoncé réduction drastique quantité immigrants qui ont demandé asile sous frontière États-Unis. États-Unis justice, deuxième jour pour ce petit garçon, président américain Joe Biden, Hunter Biden, qui est en bas accusation pour possession illégale Zamafé. En Haïti, Premier ministre Gary Conny a paré pour former un gouvernement en collaboration avec le Conseil présidentiel transition après les recevoir hier lundi à ampliation arrêtée qui nomme là. Et puis dans la ville Madrid, dans le pays Espagne, fanatique n'a pas qu'à attendre présentation officielle internationale française Kylian Mbappé. C'est pour ça yo avec l'autre nous pral développer pour dans un petit moment d'abord nous pral bonjour bonsoir tout le monde madame qui est qui côté wap tande et regarder en même temps vidéo ça déjà nous dou bienvenue l'autre fois encore sur channel là pour une nouveau édition la voix de l'Amérique que nous rentrer la caillou aujourd'hui qui c'est 5 juin 2024 là parmi quelques autres dans grand programme domine actualité à nous gagner pour nous après dossier la voix de l'Amérique là et bien nous gagne information pendant mercredi 5 juin 2024 la information doit connaître population civile qui vivent dans la commune Kafou puis précisément dans la zone côte plage 22-18 nèg exam yo même commencé rentrer dans Kaimoun fait goza kay bien un petit tout qui tombé avec balle yo l'autre côté tout gen agent mon cash et bien les mêmes à toute notre cash et bien qui parle côté situation des villes les mêmes ça l'a fait pour une journée travail yo même yo pas réglé en yon l'autre côté tout nous pralgen pour nous ouais dossier politique là dans pays d'Haïti et bien Gary Conny là qui déjà fait connait gen 5 ministres intouchables dossier ça fait en pile parler en pile dans pays d'Haïti et nous pral ouais tout dans ça qui gen pour littérativement nous et jeune yon patrimoine vivant avec yon zèvre éternel dans pays d'Haïti pour ça avec plaisir l'autre nous côté pour une édition la voix de l'Amérique ça mais avant même m'a pas oublier n'a toujours mandou petit service ça qui c'est abonné avec channel là si c'est pour la première fois tomber sous lit et pas oublier qui un like pas oublier tout partager vidéo avec yon ami yon famille n'a quitter la voix de l'Amérique la vidéo n'a tourner grâce détail yo et rejoindre collaborateur nous Jean-Robert Philippe qui dans la Maison Blanche côté que président Biden annoncé un décret qui dit que il y a une réduction drastique qui pourrait faire dans immigrants qui demandent asile sous frontière. Jean-Robert Philippe, dis-nous plus. Effectivement, dans un petit discours tout que le président Joe Biden prononcé devant le public, en fait, devant la presse, et bien justement, il a annoncé une décision sur laquelle il croit qu'il est important pour l'administration lien que l'a dirigé. D'abord, thème que il prend dans le décret, ça, il est en nous sécuriser frontière. I've come here today to do what the Republicans and Congress refuse to do. Take the necessary steps to secure our border. Mais il dit qu'il souhaitait que l'administration travaille ensemble avec les publics et le Congrès pour prendre une décision pour que vous fermez les frontières, mais limiter la quantité de gens qui demandent asile sous frontières. Mais il dit que ça n'est pas fait et que tout est fait pour que vous travaillez ensemble pour trouver une solution pour sécuriser les frontières, ça n'est pas fait. Et bien, lui-même, il a fait travailler seul et il peut aller pour compter pour lui, justement, et prendre une décision. They don't have time for the games played in Washington, and neither do the American people. So today, I'm moving past Republican obstruction and using the executive authorities available to me as president to do what I can on my own to address the border. Ça veut dire que sa décision est lui-même. Décision que décret présidentiel ça lui pense justement limiter quand c'est mon cap sur frontière et tout mon cap vient sur frontière illégalement et décret ça bal pouvoir, bal moyen pour que lui bloquer et fermer frontière les arrivés en quantité de monde qui dépasser. Soit par exemple si il dépasser les 2500 monde et bien que qui vient entrer illégalement sur frontière mais moment ça administration doit fermer frontière et il a fait pour 2 semaines, ça veut dire 14 jours. Et pendant 14 jours ça l'a prêté fermé jusqu'à ce que quantité de monde que qui est sur frontière à descendre pour arriver à moins 2500. À moins 2500, et après l'ouvrir encore. Selon le président, dit, du côté humanitaire, dans la décision-là, on va se faire humanitaire là dans le tour. Il dit que la décision n'a pas affecté les citoyens ou les immigrants qui prennent rendez-vous à travers CBP Rwanda pour venir demander asile sur frontière. Il dit qu'il est capable de toujours faire ça, CBP Rwanda toujours ouvert. Au contraire, il encourage eux-mêmes à faire ça. Mais il dit qu'il souhaitait que, mais juste ça, que la prend pral, justement, dans une position côté que les pral déterminant, il côté que pral capable d'aider, contrôler le flot immigration. Nous rappelons que président et ancien président Donald Trump lui-même il était utilisé et même mesure que président Biden prend aujourd'hui en 2017-2018 pour empêcher aussi de citoyens l'autre pays venir aux États-Unis et mais c'est même excepté que prend décision dans le moment nous en question électorale dans le moment pas gain élection dans pays et c'est ça. Moi c'est Jean-Philippe Parcel depuis la Maison Blanche, Jean-Philippe la voix de l'Amérique, Washington DC.
Merci Jean-Robert Philippe, gain en pile réaction qui gant en tombé, gain notamment coalition ça qui gain là-dedans membre congrès et qui gain l'autre et responsable organisation immigration et parmi eux nous joignent et Anna Presley, nous joignent Yvette Clark, nous joignent Garline Joseph qui c'est directrice exécutive et Asian Bridge Alliance, et même yo rejeté décision que président Joe Biden prend jodi a concernant et réduction drastique ça sous moun k'ap mandé asile sous frontière. Et puis gagné tout républicain tout qui réagit tout côté critiqué président Biden et dit que le président Biden a pu utiliser question immigration pour le faire jouette politique, jouette électorale. Sandra Lemaire, gain détail. Leader républicain dans la Chambre des députés des États-Unis critiquait plan président Joe Biden gagnant pour mettre en application tout de suite quelques restrictions importantes contre migrants qui cherchent asile sous frontière États-Unis-Mexique. Là. Biden a adopté mesure ça dans le moment la Maison-Blanche a cherché à neutraliser immigration comme point faible politique avant l'élection mois de novembre. Là. Républicain dans le Congrès a dit l'ordre exécutif Biden, là, c'est une jouette politique. Mike Johnson, c'est président de la Chambre des députés des États-Unis. They're in panic mode on the Democratic side, and they are so desperate to stop Donald Trump. He's winning. Les démocrates ont paniqué et ils ont tellement désespéré pour barrer Donald Trump. Monsieur a gagné dans l'État qui a influence. L'a gagné parmi le peuple, l'a gagné parmi le groupe électeur qui peut que j'aime voter pour républicain. Ils voient ça à passer, donc ils ont fait tout ça qu'ils capable pour couper monsieur. Et puis, ils ont même d'accord pour servir avec le système judiciaire pour faire. Ils ont baissé bas en pile. Et c'est un bagage qui est dangereux parce que ça mine la confiance peuple dans le système noir et dans la justice. Démocrates ont fait remarquer Biden t'étend plusieurs mois avec espoir d'est-ce que républicains ont collé tête ensemble avec démocrates pour adopter une loi immigration. Mais Biden est obligé d'agir pour contre lui. S'il n'a pas remporté l'élection mois de novembre, non, successeur l'IA est capable de renverser décision ça. Elise Stefanik, c'est directrice conférence républicaine la Chambre. We must work and are committed to working around the clock to ensure President Trump is victorious this November to save America. Il faut que nous travaillons et nous prenons engagement pour travailler 24 heures sur 24 pour assurer président Trump remporter la victoire au mois de novembre non, pour sauver les États-Unis et puis retirer en bas agenda extrême gauche démocrate Biden non, et puis empêcher le fait système judiciaire tourner aux armes que les cas servi contre peuple américain. Président Biden dit qu'il a réfléchi depuis plusieurs mois sous question pour agir pour contre lui, surtout après une entente qui a été jointe avec républicains dans la Chambre, qui a boit l'huile après Donald Trump a demandé pour ne pas voter pour lui. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra, faut dire que Sandra Lemaire t'a suivi pour nous et deuxième journée pour ces petits garçons président Biden en parlant de Hunter Biden qui est en bas accusation pour possession d'armes illégales. Sandra a rejoint nous encore pour plus de détails sur question ça. Procès Hunter Biden, petit garçon président Joe Biden, t'emmène jeudi mardi à la ville Wilmington, État Delaware. Il a été sélectionné un jury qui gagne 12 moun là-dedans et puis 4 alternés lundi. La justice a accusé Hunter Biden de 3 crimes qui gagnent rapport avec Zam l'été acheté en 2018. D'après un livre li écrit sous la ville, Hunter Biden a gagné une addiction à crack cocaïne dans l'époque là. Sélection jury a fait rapidement lundi dans l'état côté président démocrate là habité. C'est là tout que Hunter Biden t'est grandi. Hunter Biden a fait face avec un autre procès dans l'état Californie dans mois de septembre là. Côté accusé de ce que il pas payé 1,4 million de dollars d'argent taxe. Monsieur dit département justice là ciblé injustement. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. D'après les toujours dans l'actualité concernant les États-Unis, il y a ancien président Donald Trump qui ouvre un compte TikTok et une plateforme qui était interdite ici aux États-Unis pendant qu'il était président. Valérie Saint-Louis, un détail. Candidat républicain Donald Trump rentré dans TikTok, une plateforme média sociale que l'IT essayé interdit ici aux États-Unis pendant qu'il était président. C'est géant des affaires technologie qui basé dans le pays la Chine, qui relaie ByteDance, qui possédait plateforme TikTok là. Donald Trump rentre dans la plateforme TikTok là dans le moment que l'a mené activité campagne avant élection présidentielle novembre. Ces médias en ligne qui relaient Politico qui était premier rapporté nouvelle là, l'élite dit que Donald Trump t'est affiché une vidéo lancement sous compte TikTok là dans samedi soir. The president is now on TikTok. It's my honor. Ça c'est vidéo qui montrait Donald Trump qui saluait fanatique yo dans le moment que l'tape assisté un combat UFC Ultimate Fighting Championship dans Newark, New Jersey. Compte TikTok ancien président Donald Trump qui sous adresse @realDonaldTrump t'a gagné plus passé 450 000 monde qui suivent lui même jour que l'était
ouvert compte là sous plateforme là dans samedi 1er juin vers 8h du soir. Dans moment que n'a parlé là, Donald Trump gagne 4.9 millions moun k'ap suivi sous plateforme ça. N'a rappelé que Donald Trump l'était président, il était fait en pile tentative pour lui interdire TikTok ici aux États-Unis en 2020. N'a regardé là en août 2020. Donald Trump était fait sortir New Lord exécutif contre plateforme là. Tribunal y était bloqué des matchs ça. Donald Trump était dit dans mois de mars passé que plateforme TikTok là c'est une menace contre sécurité nationale là. Mais il dit tout que une interdiction contre plateforme ça t'a qu'à affecter ti génio et puis il a seulement renforcé plateforme Facebook Meta que lui même tout le critiqué en pile. Bon côté par la compagnie technologie ByteDance là a gourmé dans tribunal contre une loi américaine qui était entrée en vigueur dans mois avril dernier et qui exigeait compagnie vendre TikTok dans mois janvier année prochaine au soir fait face à une interdiction. Maison Blanche a dit que l'État voulait ouais une autre monde qui pas chinois comme propriété plateforme là pour raison sécurité nationale. Mais c'est pas une interdiction que l'État voulait mettre sur TikTok lui-même. TikTok te fait qu'on est que le pas prêt à partager données avec information utilisateur qui aux États-Unis avec gouvernement chinois et que tout te prend mesures substantielles pour protéger vie privée tout utilisateur lié. Campagne de réélection président Joe Biden est rentré dans l'application TikTok là dans mois février. Dans moment n'a parlé là, il y a 354 500 monde qui a suivi. N'a précisé que c'est pas page personnelle président Joe Biden, mais c'est page campagne lié. Une autre bois campagne Donald Trump là ensemble à comité national républicain. Dit que yo t'ai ramassé 141 millions de dollars dans le mois de mai. Une grosse somme d'argent qui gagne là-dedans plusieurs dizaines de millions de dollars que yo t'ai ramassé après verdict historique ça qui t'ai joint Donald Trump coupable dans jugement criminel là dans New York. Campagne Donald Trump pas obligé de divulguer publiquement par commission élection fédérale la somme d'argent li ramassé que juste en fin mois ça. Mais décision li prend pour publier chiffre ça yo bien bonheur comme ça, montrer qui gens li wè vague contribution comme preuve qui montrer que verdict jeudi passé a t'ai bail parti ancien président énergie et comme you signe tout que verdict la pape entravé et folle pour retourner dans maison blanche chita sous chaise bourrée comme président. Campagne président Joe Biden lui-même pour copier total l'argent qu'il a ramassé pour le mois de mai. Et Trump avec parti républicain rapporté qu'il a ramassé 76 millions de dollars dans le mois d'avril. Chiffre ça a dépassé plus passé 51 millions de dollars que Biden à comité national démocratique là t'a rapporté mois ça pour première fois. En tout cas, selon plusieurs observateurs qui suivent, ancien président obligé changer fusil d'épaule, li entré sous plateforme TikTok là, une façon pour lui attirer une autre qualité électeur qui plus jeune. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Et bien, actualité à Konya, apprenez nous dans la région Moyen-Orient, côté guerre Israël-Hamas, là, a continué pendant que médiateur a réclamé une position claire, bon côté Israël avec Hamas, pour jouer un cessez-le-feu dans la guerre qu'il a depuis 8 mois. Gentil Augustin Junior, gain détail. Qatar, qui s'est médiateur sur Gaza entre Israël et Hamas, insiste jeudi mardi 4 juin 2024 là, sous le fait que ta doué gagne une position claire dans tout déboyo pour arriver joignon accord cessez-le-feu. Pendant ce temps, les États-Unis pour comprendre nouvelle Hamas sous une proposition cessez-le-feu qui yote soumet by groupe là depuis jeudi 30 mai 2024 là. D'après sa porte-parole département d'État américain Matthew Miller, te dit à hier lundi 3 juin. Conflict in Gaza in conflit sans campé dans Gaza, cap chercher yon victoire totale, pas pral faire Israël pi en sécurité. Nous d'accord avec Israël que Hamas pas qu'à diriger Gaza. Nous d'accord avec Israël sous droit et obligation pour poursuivre Hamas pour attaque terroriste 7 octobre 2023. Mais l'ité continue pour dire position nous, c'est que Israël pas qu'à éliminer Hamas seulement avec moyens militaires. Tout simplement avec une campagne militaire. C'est peut-être ça, nous devons combiner une campagne militaire que Israël a mené avec un plan politique pour peuple dans Gaza et puis finalement c'est ça n'a pas essayé fait. Yon l'autre bord, ayer lundi 3 juin 2024 là, Premier ministre Benjamin Netanyahu t'a dit. Alors parlons de Ensfor Drachim que de l'arzir ta khatoufim shelanu. Premier priorité là mais Israël là dans Gaza, c'est détruire Hamas. Destruction Hamas fait partie plan Gaza depuis le commencement. N'a travaillé dans plusieurs façons sous famille et sous France. C'est peut-être ça, nous te fait un effort en plus pour faire tourner. Mais, nan fait ça, nous kembe objectif la guerre, ak principalement élimination Hamas. Nous insister pour compléter tout dit. Kata ki se pays médiateur en deux parties yo, di jodi a, li toujours aptan pour tout de boy yo d'accord. Nous aptan yon position claire Israël qui représentait tout gouvernement israélien. Yon. Et ça pour qu'arrive, j'en nou te wè sa hier nan déclaration quelques ministres yo. N'est pas de discussion pour yon conclusion sous accord wa, ta doué gen yon position claire nan tout de boy yo en réponse à l'idée yo présenté jodi a. Bon côté nous, communication a continué pour transmettre bien clair l'idée sa yo bay tout parti yo. Président américain yon, Joe Biden te présenté vendredi 31 mai 2024 là, yon proposition pour yon trois phases cessez-le-feu nan men l'armée Israël là, voyé by groupe islamiste palestinien Hamas pour mettre fin dans la guerre dans Gaza qui déjà touye plusieurs dizaines milliers moun et qui provoque yon crise humanitaire exagérée. Off là mandé pour yon cessez-le-feu, libérer otages israéliens yo, libérer prisonniers palestiniens yo ak reconstruire Gaza. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington.
Voilà, c'était grand point dans l'actualité internationale. L'actualité à concernant le pays d'Haïti, dans un petit moment, restez branchés ou sous VOA Creole. Merci d'avoir choisi VOA Creole pour informer ou faire le bon choix. Actualité à mener dans le pays d'Haïti, côté Premier ministre Gary Conille, qui recevait lettre, qui recevait ampliation hier pour qu'il vienne tout de Premier ministre. Et bien, Conille a la parée pour former un cabinet. Nous sommes sur place dans Port-au-Prince, Yves Manuel. Gary Conille recevait ampliation arrêtée qui nommait le chef gouvernement transition. Zach Saha habilité l'initié processus formation gouvernement dans tête collée à conseil présidentiel. C'est ça Edgar Leblanc fils fait connaître suite à remise ampliation à M. Conille. Selon le président CPTA, action ça a venu dans un moment particulièrement difficile côté pays a fait face à une crise sans pareil. Il a profité de toute force vive nation, en particulier acteurs politiques pour travailler dans concertation, dans consensus, harmonie, une façon pour réussir la transition. Le pays vit dans une crise multidimensionnelle. Il importe donc aux forces vives de la nation et particulièrement aux acteurs politiques de travailler dans la concertation, dans le consensus, dans l'harmonie, de manière à réussir cette transition. Dans l'allocution, Gary Conille dit l'apprécier le fait que le président CPT1 et l'autre conseiller mettent accent sur la situation urgence et vivent ensemble qui gagnent dans le conseil. M'apprécie en pile que dans mon contrôle tout à l'heure, le premier soir dit moi c'est qu'il y a urgence. Le premier soir conseil là dit moi c'est qu'il faut aller très vite. Première instruction, tout le monde conseille au moins, c'est que nous gagnons temps pour nous perdre. Avant cérémonie ça, Gary Conille rencontré président CPTA avec l'autre mamio et au déjeuner ensemble. Ça qui constitue premier contact officiel entre conseil présidentiel transition avec premier ministre Gary Conille depuis nomination officielle le 29 mai qui s'est passé là. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et pendant ce temps, nouveau Premier ministre a commencé à prétendre des revendications avec tous les défis qui gagnent devant, notamment ensemble organisation Monde Handicapé, qui gantan yo même voyé yon nom en parlant de citoyen Fidel Bellegarde comme secrétaire d'État Monde Handicapé pour résoudre le problème et secteur ça a confronté depuis quelques temps déjà. On a tous ces correspondants dans Port-au-Prince. Ensemble organisation Monde Handicapé qui regroupe tête yo en bas chapeau Fédération. Organisation Monde Handicapé d'Haïti FOPA, parmi eux, Organisation Monde Handicapé pour Développement d'Haïti, Participation Humanitaire pour Inclusion et Émergence Sociale et divers lots, saluer choix Dr. Gary Conille comme Premier ministre qui remplace officiellement Dr. Ariel Henry. En même temps, Volney Nehemi dénonce mauvaise situation Monde Handicapé subie sous plan sociopolitique et économique dans les derniers temps. Avec la crise que nous connaissons aujourd'hui, situation mon handicapé est plus difficile chaque jour. Nous situation côté insécurité à valer terrain. Mon handicapé a quitté caillou en bas coup de balle par-ci par-là. Et ceci lorsque vous sauvez, malgré ça, il n'est pas en situation sûre et il plus exposé avec danger. Mon cas vivre avec situation de handicap, notamment femme, si fille handicapé, il pas suspend Sibi et Kadejak. Zak malhonnête avec Abi à cause handicap yo par rapport avec crise ça jodi a. Pour régulariser situation ensemble organisation Monde Handicapé yo proposé Fidel Bellegarde comme secrétaire d'état Monde Handicapé yo. Si que on fait choix d'un secrétaire d'état pour le moment là, c'est sous base expérience, si c'est sous base compétence, si c'est sous base monde qui travaille dans secteur, il pas d'autre que monsieur Fidel Bellegarde. C'est raison ça qui fait nous-mêmes, nous connaissons en Haïti secteur pas nous son secteur qui méprisé. Nous connaissons secteur pas nous, son secteur pas nous ça révélé. Parce que pas veut tendre nous, parce que nous sommes secteur à part entière. Normalement je dis, nous voulons faire connaître nous ces monde même j'ai à tout le monde. Nous qu'a fait choix pas nous. Nous qu'a dit ça nous voulons, nous qu'a dit ça nous besoin. Et c'est ça qui fait que nous dit monsieur Gary Conille que choix c'est monsieur Fidel Bellegarde qui pour venir diriger boîte là. Pendant ce temps, il y a quelques autres organisations qui m'ont dit pour reconduire secrétaire d'État qui l'a connu, Renan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Et puis, l'autre point dans l'actualité, toujours concernant le pays d'Haïti, deux ticanos qui étaient dans Citadelle en Ria, dans Milo, disparaissent de façon mystérieuse. Correspondant nous dans la ville au Capou, dans le département Noir, Gérard Maxino, tu es rendu dans Citadelle là pour te chercher qu'on est dans qui circonstance ticano ça y est, et même tu es arrivé, sorti, quitté Citadelle là. On a rejoindre Gérard Maxino. Environ 15 jours après disparition des Ticano dans Citadelle Henria, dans Milo,
Yon juge dans la commune ça, Myrlène Charlot, te fait constat légal lundi 3 juin 2024 là. Magistrat te parlé à quelques employés qui étaient sous place. L'explication problème c'est yon employé qui c'est monsieur Ernest qui dit il était nuit après-midi, c'était mardi 21 de l'après-midi pendant les chita en bas et puis il a regardé en l'air il voyait que deux fenêtres qui étaient ouvertes. Il dit semble-t-il que c'est et employé qui t'a nettoyé qui fait nettoyer qui oublier fermer fenêtre ça il dit il montait pour la fermer fenêtre il dit parce que il est en et marqué la pluie si la pluie la doit en vent dedans la fermer c'est pendant la fermer fenêtre et puis il gardait c'est tout près fenêtre là dans la zone là sous galerie et puis il ouais table vide il c'est tout donc table tous les deux canaux il garde la table vide et puis il est l'autre employé en bas il informé de ça agent sécurité Valmi NS qui travaille dans citadelle là depuis environ 8 années avoué c'est dans date 21 mai 2024 ans pendant l'ital fermé yon fenêtre il garde sous table qui dégain des petits canaux li pa wè fini fermé fenêtre par l'autre bord m'a fait le tour et puis il tombe sous table ça là. J'étais vraiment étonné avec un peu d'émotion. Je me dis, what? Comment ça s'est fait? Et puis je me suis sorti, mal parlé avec le monde qui a fait l'entretien. Je me dis, ah, messieurs, dames, je ne vais pas nous faire le passé, sinon, mais nous allons raconter. Je dis, comment ça nous allons raconter? Je dis, nous allons saisir. Je me dis, madame, si vous faites un effet de vidéo, je ne prends pas sur ce table-là, tous les deux types de réussite de vidéo, je ne vais pas faire un effet de fenêtre qui crase, je ne vais pas faire un effet de démonter, je ne vais pas comment on fait sortir. Directeur régional Nord, Institut Sauvegarde, Patrimoine National Hispan, ingénieur Nitachil Fekonen, c'est un vol complice qui sortit dans la sécurité qui a géré citadelle là. Nous capables de dire que c'est ça son vol domestique lié, parce que c'est en dedans même, c'est sécurité. Même parce que si vous avez un bagage, il n'y a pas qu'à disparaître. Dès que disparaît, c'est que ou c'est vous-même qui prenez bien son compte ou en complicité. Et avec ça que fait là. Il y a seulement 19 employés qui travaillent dans la citadelle là, quelqu'un qui a joué rôle sécurité. Et que seulement dans mes yon bâton. La police, BESAP, pas présent dans la zone citadelle en Ria, dans Bonnet à l'évêque. Gira Maxino, Cap Haïtien, pour la Fête d'Amérique. Merci Maxino, vous souvez ou à créole, vous suivez un programme dans la langue créole haïtien qui c'est rendez-vous, info, dernière mesure autorité immigration prend la cause, même haïtien qui est dans une situation régulière, pas qu'à voyager, non. Pays voisin, Tok Soti, République Dominicaine pour l'Haïti ou bien et vice versa. Yon reportage, Jodley Junior Saint-Ville. En plus déportation haïtien qui pas légal dans la République dominicaine qu'a fait presque chaque jour, autorité dominicaine yo pas suspendre prend mesure pour limiter entrée sortie haïtien yo sous territoire yo. Ça qui la cause même une catégorie haïtien qui légal gain difficulté pour traverser frontière entrer dans la République dominicaine parce que visa yo té révoqué selon vice délégué arrondissement Wanamet là Harold Joseph qui t'est parlé avec VOA créole. Le président dominicain et il prend certaines mesures pour que il révoqué tout visa dominicain tout entrée sol dominicain. Et les par exemple, nous avons gagné un visa américain depuis qu'il y a un passeport haïtien, peut-être qu'on permet d'y entrer. Mais après ça, ils viennent pour l'autre mesure encore. Je dis, depuis que nous avons gagné un visa américain, pour l'entrée, c'est que si la voyager, il faut gagner 24 heures de temps d'avance pour qu'il ne arrêter sur le territoire dominicain, c'est pas cela qui passe. Donc, il ne va pas arrêter avec. Non, il ne va pas arrêter. C'est que. Les gens qui ont un passeport haïtien, vraiment, c'est un problème. Vice-délégué Harold Joseph continue pour le dire. Autorité dominicaine, en pile fois, pas annoncé officiellement décision sa yo. L'été tout profité, mandé nouveau gouvernement haïtien qui a venu là pour reconsidérer la relation Haïti avec la République dominicaine. Et well, comme une priorité. Les relations, il faut renégocier. Il ne pas passer dans la couleur officielle. Je dis, là, par exemple, la République dominicaine prend mesure, c'est qu'elle doit garder. Ou garde le portail la fermé, ou gagne des mesures, là où sous frontière, il y a des mesures que vous n'êtes pas capable de traverser. Ou que vous définissez les questions d'immigration, les questions commerciales, qui t'adouent une priorité pour le gouvernement. Jodley Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, au VOA Créole. Et bien, mes amis, dans la question sport, et bien, dossier Kylian Mbappé a continué à dominer l'actualité sportive là, en allant à peu près. En pile réaction après officialisation contrat international français Kylian Mbappé qui pourrait le passer 5 prochaines saisons Lyon dans Real Madrid en Espagne. Nouvelle ça mettait fin dans un feuilleton qu'il a longtemps avec paquet de rumeurs qui t'a circulé sous mésentente qui t'a gagné dans vestiaire Paris Saint-Germain. Depuis Metz, Mbappé dit gagné moun ak bagay qui t'a rendu malheureux mais au fond il pas qu'à dire t'es malheureux. Ce serait cracher dans la soupe de dire que au PSG j'étais malheureux et ce serait cracher au visage de tous ces gens qui m'ont défendu qui m'ont accompagné. Donc au PSG j'ai toujours été heureux mais c'est sûr qu'il y a des choses qui me rendaient malheureux et un joueur comme moi avec
cette envergure-là ne peut pas montrer quand il est malheureux, parce que j'étais un leader dans cette équipe, j'étais quelqu'un que les gens suivaient, donc si le gars que tu suis est malheureux et traîne son spleen, c'est compliqué à suivre, on suit pas un gars comme ça. Donc j'ai essayé d'être le plus positif possible. Il y a un pile bagaille qui a sorti sous réalité, relation vedette là avec l'autre dirigeant club là. Communiqué Real a sorti hier lundi 3 juin 2024 là. Dans mi-temps, grosse célébration, 15e Coupe Ligue Champion après victoire 2-0 samedi dernier sous club allemand Dortmund. Et fanatique Real dit, Jody Madia, eh bien, il n'y a pas qu'à attendre nous-mêmes pour jouer international français. Mira Amios, c'est un servante. Moi content plus pour Timoun Mayo qui chauffe. C'est un bel bagaille. Moi espéré n'a continuer gagner l'autre Ligue Champion. Moi content pile. Fanatique Real Madrid yo dit yo pas qu'attendre. Alex Lopez, c'est un travailleur construction. C'est pas extraordinaire pour un joueur comme ça venir jouer ici là. Monsieur gagne un pile talent et la porter un pile bagaille pour équipe là. Real Madrid, c'est un plus gros club qui gagne dans le monde et li gagne habitude recevoir gros joueurs football. À la fin des fins, c'est une alliance d'après Hector González qui c'est un travailleur dans la construction. C'est un besoin pour deux parties. Real besoin Mbappé, Mbappé besoin Real, c'est une alliance qui est bon pour tous deux parties. Transfert Mbappé dans Real Madrid, là, c'est un gros bagage, c'est un gros point qui domine l'actualité. Carlos Gomez, qui c'est un avocat dans le pays Espagne, dit que Real Madrid était déjà une grosse équipe et il va gagner pour le prouver. Il n'y a pas gagné pour prouver à l'équipe ça. Il a déjà gagné la Ligue Champion, mais avec Mbappé, il a gagné assurance, il a continué à remporter l'autre Ligue Champion. Champion d'Europe, il a renforcé l'équipe avec un star mondial qui s'est réalisé pi bon saison avec Paris Saint-Germain. 44 goals et il était élu tout meilleur buteur pour 6 dernières éditions championnat français première division. Il est arrivé à Paris en 2017 voilà, après l'explosion de Monaco. Voilà, nouvelle qui continue à dominer l'actualité. Bonsoir tout le monde. L'autre information que nous portons pour vous, nous allons aller directement dans une déclaration d'un agent service NATCA Chana Mamlad, lui-même qui trouve dans nos pays d'Haïti, il dit qu'il n'a pas même touché 250 gouttes pour une journée de travail. L'Elfine fait une journée après tirer cob pour clients sous contrat NATCA Chio qui compte n'importe 100 000 gouttes parfois, qui donc lui-même n'a pas fait 250 gouttes. Et bien, c'était une raison tout client qui a plein d'agents agence lui-même qui a fait connaître qu'il pouvait retirer. Ou bien vous aider yo même yo obligé mandé yo comme sinon service là li même li pap yon piti li même ki tap saute nan programme vague la vie et bien yo trois mouri nan accident assembli ça passé en République Dominicaine mais nous pas capable montrer ni photo ni vidéo ça yo mais selon information c'était un programme vague la vie que même yo tap sorti qui donc vague la vie qui tap joué et bien yo trois mouri nan accident République Dominicaine. L'autre information que vous doit connaître toujours c'est dans commune Kafou côté commune Kafou population civile là les mêmes qui vivent dans commune Kafou plus précisément dans zone la côte plage 22-18 nèg exam yo même yo commencé à rentrer dans caille habitant qui vivent dans zone ça yo et bien pour aller tout ça rejoindre sur route bagaille compliqué en pile dans commune Kafou. Commune Kafou qui déjà nouveau territoire perdu depuis le temps passé là nèg exam yo pas jam suspend bay problème et bien pourquoi il là yo même yo changer phase de bataille parce que yo continue à faire zak malhonnête dans mitan population li même qui pas capable cap force l'audio même pour ta capable porter renfort. L'autre ça nous va loin dit dossier littérativement nous Eugène yon patrimoine vivant avec yon zèvre éternel dans population haïtienne. Emmanuel Eugène c'est non Portorique garçon ça lui même qui commencé écrit texte depuis la période 1960 et qui était décidé prend nom Mano Eugène lui même qui s'était non jouette lui et bien il était pris ça prend plaisir là-dedans et bien c'est non plus mais qui côté tout point qui sensible littérature dans la été colle rêve lui même dignité avec liberté et bien toute littéraire sorti en Haïti passé États-Unis qui bat Canada avec l'autre espace qui bat littérature en créole haïtien et bien passage pour voir poète li yo même yo transformer et puis informer mon sous façon yo décrit réalité avec nostalgie yo pour un pays et bien qui personne yo même pas répondre les yo rele yo nan non la Haïti connaît Mano Eugène mais personne pas connaît si c'est Emmanuel Eugène c'est Maka Fabrique yo baye pour être là pour te et qui tremper monité là pendant la démarrandel avec des
qui prévient là tout. Et bien sous question non ça c'est même c'est pour être là qui décide faire distinction entre ça yo connait qui c'est l'autre noir et bien les mêmes non parle qui vraiment Emmanuel Eugène qui donc c'est un non parle ça et bien souvenance là tout yon traversé forcé passage obligé bailli mélangé sous toute existence moi comme individu peuple population se charge tout yon chimen quoi et eh bien clopi clopang cloutoupa cloutapa nan mémoire moins se pèse yon de mouziaï sanguiné poids 50 ans m'a pas cherché chawayé beauté et eh mano hygiène li même se zekla yon la katawa bouyi vide magna la bouyi chaud et puis nan fondas mwen avec touffe flamme jaillit nan tout ven comme kap koule n'a continuer pour di mano hygiène li même yon petite poésie yon créoliste mano hygiène c'est yon écrivain essayiste nouveliste journaliste mais avant tout ça il était capable gagner comme titre et bien l'éclair sur ça lycée poète et puis créoliste dans toute mambli il commencé écrit texte dans l'âge 15 titre et bien l'éclair tout n'a parlé de 15 ans et bien l'éclair sur ça lui-même lycée poète et puis créoliste dans toute mambli qui donc en 15 ans à partir de 15 ans c'est à partir des années 80 lui-même il a commencé publier texte dans divers journaux revues radio dans diaspora dans contact avec des ou trois amis camarades li tankou Gilio Jean-Pierre Michel-Ange Hippolyte Jean-Aubert Diré Placide avec l'autre encore lui-même li te prend questionné et puis réfléchi sur écriture langue et bien sur qui ça lui-même poésie créole Mano Eugène t'a lancé dans quelques raisonnements sur langue tankou est-ce que créole là lui-même li pa gagne forme parli règlement parli c'est question qu'elle t'a posé et bien c'était une na question yo même fondal natal qui ou bien fondamental la fondateur mouvement créole yo même yo t'a gagné à l'époque qui donc pour lui-même avec toute l'autre créolis yo t'a clair sous position yo et bien si langue là lui-même li pa gagne règle pour yo même yo créé yo c'est même genre détermination ça lui-même qui t'a animé la branché recherche mouvement société Kukuya qui te poussé là yon inventé et bien yon la trié forme poésie tankou poésie wongol zwing pointe avec propre vestification payo qui donc origine l'amour mano hygiène pour écrire avec exil dans pays Canada. Côté li fait déclaration ça moi commencé écrit depuis ti jenoba nan période année 1960 yo nan kada yon concours poésie mouvement créole haïtien qui c'est MKA et bien t'ap organisé pour occasion fête maman sous antenne radio Caraïbe nan Richavan nan Port-au-Prince tout monde connaît c'est comme ça moi té rivé parmi premier candidat qui té porté Mayola et bien c'est depuis les ça moi été intégré branche littérateur mouvement société Kukuya soutenant Plume Papillon Noir non voyant moins fragile passé bougeons la vie moins mais voilà yon soixantaine années après et bien société Kukuya rete groupement littérateur haïtien qui pi ancien cap ferraillé red cherche toujours et bien selon Mano Eugène année 60 pour arriver 70 yoté yon époque enfouraillé côté monde là lui-même l'été en bout de la tcha et bien tout monde tap chercher tête yo à travers yon dividal la courant pensée l'idée toute qualité tendance et bien sous toute forme qui té et bien casser les os dans monde là et bien à époque ça té gain courant communiste là et bien les regarder la guerre froide crise qui bat la guerre Vietnam mi Belen avec les bits et puis en Haïti les mêmes c'était révolution sous plan artistique qu'il tirait avec politique té gain création plusieurs clubs qu'il tirait tant qu'un mouvement Saint-Soleil, mouvement Yéyé, les hippies indigénistes, Divaliris avec Noiris, et bien te gagné tout Senda avec Pinti Naïf et Kriti, d'un coup Espiralis et Latrier, année sa yo même c'est
année côté qui pas de gagner sur des réseaux sociaux ça yo côté te gagner pied qui ça me manger moi pas de baou et puis papier pas tête pas paquet en pile monde t'a couri qui te pays jeune monde t'a grand monde riche pour pauvre yo même yo t'a volé gagner parti à l'étranger échapper pour l'autre bord de l'eau et bien yo même yo t'a couri aller dans divers pays pour aller chercher la vie meilleure côté dictateur sanguiné divaliris là les mêmes l'étape marché prend assassiné disparaître et puis j'étais petite pays à dans cachot prison fort dimanche moi même dans mitan tout ça m'té gétan gain ou bien toute graine dans gauche dans graisse et bien type poisson cap suivre gros de l'eau courant et bien les suivants cap apprendre cap découvrir talent dans dormi et bien en cache mimi la caille moi et bien c'est qu'on ça qu'on arrivé et bien m'té inscrit dans plusieurs disciplines artisanale tant coup dans académie des beaux-arts et bien conservatoire à dramatique école de danse Kaya Divania Williams mais voilà à la fin des temps et bien c'est écrit l'amour poésie qui te prend maillot là tant coup plusieurs millions l'autre avant moi après moi-même tout moi t'ai fait voilà pour Montréal pays Canada et bien c'est ça ou t'es allé même li ajouté pour être là li même li fait qu'on est tout li même s'il t'est quitté pays a et bien Haïti li même li pas chambre quitté là depuis gain occasion pour rentrer Haïti et bien rien pas ta capable kembe la tête baissée l'idée devant parce que Haïti nan li yon point côté personne n'a pas fouti qu'on est qui l'est Haïti et bien qui l'est tout li même li Canada c'est une situation li exprimer dans Rekeli qui c'est Exiltic 1988 yon la réserve pour littérature haïtien yon héritage Mano Eugène publié 6 livres parmi yon nouvelle 5 recueils poèmes avec yon recueil histoire courte c'est ça et bien auteur li même li fait qu'on est li publié Voix Andor La Voix des Mystères 2007 et bien la critique s'allie comme premier tentative écrit sous exil dans langue haïtien nouvelle Rodney Saint-Éloi s'allie comme yon moniteur et bien reconquérir les mêmes qui inscrit dans yon poésique exil saison papillon 2013 les mêmes qui c'est yon forme poème courte lire les poésies enroulé c'est une série de poésie et bien numéroté en tout 6 versets les mêmes qui gagnent ou bien qui déroulé sur une thématique et puis qui basé sur belle tise ils ont écrit 6 bits après ça nous une poésie pour enrouler toujours en moins 2019 yon modèle poésie d'après Osso Dorelis li même qui utilisé yon démarche primitif yon hystérique qui construit à partir de yon réalité et bien qui créé et bien c'est moi-même c'est moi qui moins lettre moins écrit tête moins et bien c'est titre dernier recueil moins qui fait qu'à sauter là, lycée approfondissement, yon thématique identitaire, yon démarche écrite expérimentale à côté poésie, a emprunté yon phase psychologique, physiologique avec métaphysique. L'important pour nous connaître, auteur lui-même li publié yon œuvre qui gagne pour titre là lui-même qui c'est Agama Foy Zaya. Et bien c'est un ban ti récit ou bien ti histoire courte tant qu'au Agama Fouezaï là lui-même li c'est un mot composé de Agama Mafouezi et bien c'est pour nommer phénomène langue française que eux-mêmes yo relé métamorphose là et bien là dans tout tout récit eux-mêmes yo déroulé sur un phénomène transformation selon Mano Eugène livre ça lui-même li rentré dans un projet les éditions et bien presse nationale d'Haïti qui lui-même yo organisé dans année 2006 qui était sous c'est la première entrée littéraire dans le pays et bien sous direction Willem Edouard et il continue pour le dire objectif gros événement ça lui-même c'était pour encourager production œuvre fiction ou sinon histoire imaginaire dans langue créole haïtienne place l'île fait qu'on est dans vaudou et bien place à vaudou dans zèvli il fait qu'on est pour mano littérature c'est une manifestation culturelle une société après mission lui-même il était gagné pour plus séduit et puis créer et puis réveiller émotion lui-même il c'est un réflexionnaire en profondeur sur la vie sur réalité culturelle pour un peuple et bien lui-même il visait tout pour l'éduquer et bien lui-même
influencer et des monde réfléchir et puis développer sens critique comme vous donne et bien c'est nama qu'il tire la peuple haïtien c'est ça le fait qu'on est et dans sens ça li comme société prend dans sens ça li même li fait qu'on est littérature de contribuer dans amélioration société à dans développement connaissance sous propre tête li dans sens ça li yon créolité assimé ou sinon yon créolisage comme gadol la mémoire et bien yon écrivain haïtien doit marquer société a dans chaque événement qu'il tire et puis travail yon transformation lui-même qui fait et bien les moins dit moi c'est yon écrivain créole Moussa lui-même li doit prendre li dans toute sa sagesse qu'il tire société civilisation comme ça vodoun et bien dans sens ça l'âge li et bien c'est fondas écriti moi sous inspiration qui meble imaginer moi rapport au terre axevlio et bien selon ça au terre li rem li raconter qui donc rapport en pile écrit dans langue haïtien c'est une vocation zevlio c'est don et bien c'est contribution pas porter pour yon littérature pa jam ou bien pour le capable vinn pi jam nan peyi a et bien pi démocrate en Haïti tout pour li association écrivain yo littérature yo atelier publication yo avec l'état haïtien à travers ministère li yo et bien qui concerné avec l'autre bureau tant que ministère la culture ministère éducation nationale la direction nationale livre yo bibliothèque nationale bibliothèque la kenega exam yo même yo te déchepier bureau alphabétisation bio doit doter doit développer dans dynamique sous question production zèvre littérature pendant yo même y a assuré suivi yo mano et jeune continuer pour lui même li fait connait yo doit protéger yo gros oumblé national là et donc oumblé national si là lui même c'est pour envisager une réflexion en profondeur qui capable venir avec quelques solutions pour marcher livre là en général ça veut dire rendre prix livre yo même plus démocratique pour yo capable venir plus profondeur donc plus acceptif pour majorité population li même li capable végéter dans la crasse avec la misère li important tout pour nous connaître yon icône tant kou mano hygiène li même li pas arrivé vivre sous livre li yo à cause pas gagner yon marché livre qui bien réglé dans pays d'Haïti malheureusement non marché livre là li même li trop petit pour tout créateur li gagner et puis institution qui établi pour ça yo même yo pas organisé assez pour yo même yo ta permettre yon écrivain yon poète vivre simplement des coups de plume ni et bien ali wè pour yon écrivain li même qui t'a choisi écrit langue zantraili et bien yon l'idée livre vet regroupement écrivain créole depuis en 2015 mais tout et bien yon réflexion Michel-Ange Hippolyte li même qui se capitaine coucou rouge t'a mené les mêmes l'été t'a même mené pour yon marché livre créole en Haïti les nouvelles listes en 2013 qui donc c'est ça auteur lui même lui rappelé supposé marché livre qui pas gagné bien que gain tentative qu'a fait pour ça en Haïti dans diaspora tout malgré tout problème qui gagné sous chemin mano et jeune et bien l'encourager tout créateur continuer produire et puis créer parce que selon lui même littérature haïtienne et bien jeune en pile pas gagné assez de échantillon qui pour servir modèle et bien de ça des jours là lui même lui fait connaître et bien jour langue nationale là lui même avancer sur plan littérature et bien lui ajouter tout c'est un développement qui doit mettre tout écrivain dans langue ça sous brezenyo ça doit une obligation pour apprendre devise garder de la tête au pied avec un logé travail et bien travail si là lui-même dans langue là et bien c'est sous langue là pour eux même yo capable découvrir la Mayotte cache-cache libin qui gagne là-dedans là qui donc c'est tout détail ça nous déporter pour sous dossier et bien mano hygiène qui lui-même c'est lui-même qui capable constater sous écran nous là qui c'est un grand écrivain haïtien pour ne pas dire un littérateur mano hygiène un patrimoine vivant avec un œuvre qui donc un monde qui commencé écrit depuis dans année 1960 tout c'est parti causé dit tout en pile là nous là qui a chance garder vidéo et bien nous même nous pas de cola dans les ayo et bien les même c'est un gros homme et bien c'est pas l'elle mouri pour n'a vinn bal gloire pour n'a dit lit et bon ou pas et bien nous supposé connaître lio et bien chercher li malgré grand pile monde qui pas remen mais comme ça tout gain en pile monde même qui remen li dans livre qui donc nous te porter
petit détail ça yo pour sou Mano Eugène lui-même qui c'est un grand dans communauté haïtienne. Avocat Donald Trump dans pays États-Unis mandé juge là lui-même pour ces New York là où était Babouquet que lui-même il était imposé sous ancien président américain. Avocat Donald Trump l'a mandé et bien un juge dans New York pour était Lord Babouquet qui empêché ancien président lui-même il fait commenter sous témoin jury avec l'autre monde dans cadre pour ces criminels dans New York. C'est dans une lettre qui sorti pendant hier mardi 4 juin 2024 là avocat Trump là n'a parlé de tour de blanche lui-même avec Emile Beauvais mandé juge Wang Merchant lui-même pour mettre fin dans l'ordre Babouquet là il dit que pas gain rien qui justifie pour juge là continuer mettre restriction sur droit qui premier amendement constitution lui-même baïa président Donald Trump kounya qui jugement lui-même li ta déjà fini ouais là Donald Trump qui pour jamais fini clé net c'est en juillet qu'a venir là li pral connait statistique qui ça qui va le faire dans dossier yoté accusé là pour être lui-même li té acheté silence n'a parlé des femmes lui-même qui c'est un acteur film pour nous dans pays États-Unis. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous-même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier une première façon que vous ca faire ou capable faire sentir travail n'a fait arriver sur c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout. Pas oublier activer la cloche notification et mettre sous toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous poster une nouveau vidéo pour sur channel ça. Partager vidéo avec vos amis, vos familles, une façon lui même pour capable joindre information à tout et comme ça on aider nous grandir communauté channel. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regret même une seconde côté te abonné avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que vous informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou abonner sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'a di au revoir tout le monde. N'a prévoyé encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.